Voici donc un membre du gouvernement camerounais qui lui également se prend pour un roi. Il est le roi des transports. Et il se dit peut-être même que un beau jour, il pourra devenir le président. Ngale Bibé est ministre des transports. Et quand je parle de l'esclavage, c'est pour juste faire un petit crochet, une petite histoire concernant une dame. Vous savez, je n'ai pas parfois besoin qu'on s'apitoie sur moi. Je défends souvent les causes des faibles. Et avant d'aborder le côté de Ngale Bibéhé, je devrais remercier un juge que j'ai critiqué, que j'ai dénoncé, et qui au moins a changé. Ce juge est le président du tribunal d'Ntuy. Monsieur Edou, parce que j'avais dénoncé qu'il ne voulait pas rendre justice par rapport à une dame qui voulait aller investir au Cameroun et qui s'était fait non seulement avoir par quelqu'un qui n'avait pas réussi à exécuter le contrat, mais narguait complètement cette femme, eh bien ce juge a pris l'initiative, cette fois-ci, de rendre justice. Même si, selon les informations de tous ceux qui étaient dans la salle, monsieur le juge, je suis au courant, hein, ce juge ne faisait que dire que ceux qui étaient là, ah oui, c'est eux qui informent les gens des réseaux sociaux, ils sont mes amis, ils sont les amis de Jipo Remingono. Il a même dû menacer l'enfant de cette dame. Monsieur le juge, loin de moi, ce que vous pouvez penser, et aucun enfant ne peut me manipuler, encore, je peux vous dire, quand je fais mes investigations, vous constatez que j'avais raison. Vous avez appelé l'affaire, bien évidemment, à 9h30. Puis il y a eu une pause à 14h. Et puis vous avez repris pour finalement donner le verdict à 17h. C'est déjà bien parce que en une seule journée, quand vous avez la volonté, vous pouvez rendre justice que de laisser traîner des dossiers. Non seulement il y a eu la plaidoirie, bref, il y a eu, on peut dire, en une seule journée, 3 procès en 1. Ce qui est bien. Et vous avez rendu justice à cette dame qui finalement s'en sort et que les malfrats, les bandits ont été condamnés à 3 ans de prison plus 9 millions de francs d'amende avec mandat d'arrêt à l'appui. Ceci n'est pas une faiblesse. C'est juste que vous comprenez maintenant que les médias ont un rôle. Dans tous les pays au monde, quand un homme de médias dénonce dans les pays démocratiques, le procureur s'est saisi de l'enquête. Même les meurtres sont souvent, par la suite, généralement, grâce aux enquêtes journalistiques, eh bien, les meurtres ont fini par découvrir ce qui s'était réellement passé et ça aide la police, ça aide la justice. Nous ne sommes donc pas des ennemis, nous sommes supposés travailler ensemble. C'est comme ça. Aussi, je devrais dire à tous les autres, que ce soit la police, même quand je donne une alerte ici, sachez que les services de renseignement prennent des notes pour envoyer à étudier. Ils vérifient, parce que je ne viens pas raconter des coquesigrues, je ne viens pas raconter des balivernes. J'ai des sources crédibles. Monsieur le président du tribunal, vous avez donc pu voir que j'avais des éléments concrets et que j'avais raison. Et aujourd'hui, vous avez donné raison à cette femme. Vous n'avez pas perdu, vous n'êtes pas petit. Bien au contraire, je vous vois aujourd'hui comme un grand magistrat. Je vous vois aujourd'hui comme quelqu'un qui peut changer
parce que nous sommes là pour interpeller même le président de la République. C'est pour ça qu'une opposition existe. C'est notre rôle également. Ceci étant, après ce merci, je viendrai cette fois-ci dire à ce que ceux qui croient qu'avec de l'argent et avec le pouvoir, ils sont tout puissants, ils sont en train de se tromper. Ngale Bibé est en train d'écraser avec sa femme une pauvre maman. Et ça me fait mal au cœur parce que j'ai vu des photos, j'ai même peur, j'ai même honte de vous les présenter, ne serait-ce que pour sa dignité. Cette femme s'appelle Marie-Jeanne Ongolo. Elle a servi cette famille et particulièrement Lydienne. L'épouse du ministre des Transports, avec respect, honnêteté, loyauté et professionnalisme. Mais il va arriver que à la veille du 15 août, Ngale Bibé va, avec son épouse, décider que cette femme aille dans une mission qu'on n'a jamais compris quel était l'objectif. De retour de cette mission, dans un véhicule 4x4, et il y a le chauffeur, et il y a Ongolo, Marie-Jeanne, et il y a la fille du ministre. Et puis, un individu. Cet individu qui, selon les informations que j'ai recueillies, n'est que le marabout de la famille. Un tonneau va se faire. La voiture sera dans un état terrible. En 4x4. Et ça fait tonneau 6 fois. Tout le monde va sortir indemne. Rien. Mais la pauvre femme va s'en sortir avec une colonne vertébrale broyée. Elle sera transportée à l'hôpital d'Edea. Et là-bas, à Edea, on va trouver que, bon, on ne peut pas la soigner et c'est comme ça qu'on va la transférer, cette fois-ci, au niveau de la Quintini à Douala. On va l'opérer là-bas, à la Quintini à Douala. Mais son état étant très grave, réduite presque à la tétraplégie, c'est-à-dire que ses membres ne bougent pas. On va la mettre dans un pavillon VIP. Dans ce pavillon VIP, elle passera presque 45 jours. Mais ce sera le martyr. Puisque l'épouse du ministre, dont elle était la bonne, dont elle faisait tout, dont elle lavait jusqu'au sous-vêtement, elle préparait tout, va dire que non, elle ne peut pas rester dans une chambre VIP, je ne peux pas, et tout ça. La famille va d'ailleurs se décider de pouvoir cotiser pour participer. Cette dame dit que c'est elle qui a participé et elle raconte dans des médias qui lui sont ouverts parce qu'elle va payer les 100 000, 200 000 à quelques journalistes que oui, elle a donné 2 millions. Et elle dit que ce n'est pas un accident de travail. Mais ma foi, le véhicule dans lequel se trouvait cette dame devrait être assuré. Donc, normalement, en cas d'accident, c'est l'assurance qui devrait prendre les frais. Deux, cette femme travaille dans un endroit fixe qui est à Bonamou Sadi, là où se trouve justement Madame Lydienne ministre, je préfère l'appeler comme ça. Madame Ngale Bibé va donc faire des problèmes pour qu'on sorte cette femme de là.
Et après, elle va bouder parce que la famille va dire que mais elle a quand même un petit confort ici et ce sont les médecins qui ont voulu qu'elle soit placée là. Mais bref, quelques temps après, on va dire que c'est la rééducation. Et il y a deux solutions. La première solution, c'est aller à Etougébé, au centre des handicapés, là où vous le savez, mais à durée indéterminée, on ne sait pas quand est-ce qu'elle peut sortir de là, ou alors rester à la maison, où elle peut bénéficier d'un kiné, et bien évidemment de quelques appareils. On va saisir Mme Galé-Dibéé. Elle va dire, niet. Elle doit seulement aller à Etougébé. Ici, à la maison, je ne peux pas accepter. La femme travaille à Douala. Sa maison est à Douala. C'est-à-dire que du côté du stade Marion, cité-ci, c'est là où elle habite. Elle a 4 enfants. Et elle a des petits-enfants dont elle s'occupe. Mais la femme du ministre dit qu'elle ne doit pas rester chez elle pour qu'on s'occupe d'elle. Elle doit plutôt aller à Etougébé ad vitam aeternam. Ce qui signifie que les quatre enfants, autant pour moi, les quatre enfants, un doit sacrifier l'école pour aller la garder à Etougébé, revenir à je ne sais quand. Et d'ailleurs, on ne sait pas parce qu'il n'y aura pas d'appareil là-bas. Voilà une situation qu'une femme est alitée. Elle ne bouge plus ses pieds. Elle pleure de douleur. Une maman qui a servi une famille de riches, une famille de membres du gouvernement et qu'on a voulu vendre dans le femme-là. Lui, puisque ce type qui était là, elle est la seule qui a été blessée. Elle est la seule qui se trouve dans cette situation. Et on veut se débarrasser d'elle pour qu'elle aille mourir quelque part. Voilà notre pays, l'ingratitude. Elle dit que c'est par faveur qu'elle peut lui verser son salaire. Mais attendez, vous le savez très bien. Vous êtes employé, recruté à tel ou tel endroit. Si on vous déplace, votre patron vous déplace. Il y a une lettre d'émission. Et quel que soit le cas, ce qui va arriver, puisque ce n'est pas sa voiture à elle, c'est la voiture de son patron, de sa patronne. Ce qui veut dire que c'est un accident de travail. Elle n'est même pas affiliée à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et en cas d'accident au travail, est-ce que c'est une faveur de continuer à donner de l'argent? On doit donner le salaire. Et c'est quel salaire? Salaire de misère pour cette pauvre maman-là. Avec tout ce qu'elle a fait dans cette famille-là. Elle dit qu'elle est humanitaire, Madame Galé-Dibéé. Mais en réalité, c'est des gens qui se cachent derrière des habits de pas d'apparat, de bonhomie et surtout de bonté pour faire ce qui est criminel. Madame Galé-Dibéé est directrice générale de Socature. Qu'est-ce qui peut dépasser cette femme? D'abord, comment est-ce qu'on peut même comprendre que la femme du ministre des Transports soit directrice d'une exclusive, je dis bien exclusive, hein, de Socature. C'est-à-dire que personne d'autre ne peut faire le transport, machin, et tout, et tout, et tout, à Douala. Galé-Dibéé est ministre des Transports. Et maintenant, on dit, les bus de Socature, c'est ça qui doit ravitailler Douala. On augmente les prix quand on veut. Oh, on augmente 50 francs. Sans même demander le ministre du Commerce ou le ministre de ceci et cela. Galé-Dibéé et son épouse font tout ce qu'ils veulent à Socature. Lui-même, il était d'abord directeur de Socature. Socature, on dit, oh, c'est pour la mairie ou quoi. Tout ça, c'est faux. Puisqu'on dit que finalement, c'est juste 33%. Et qu'un Galé-Dibéé, c'est lui qui détient tout le reste. Il dit qu'il y a les actionnaires. Mais l'actionnaire principal, c'est lui. Un ministre des Transports qui est actionnaire principal ou unitaire d'une société de transport qui combat les autres sociétés.
C'est un gars libéré qui passe le temps à fermer les agences de voyage, qui retire les licences, qui fait ceci, qui fait cela. Mais est-ce que vous ignorez qu'un Ngalé Bibéye, les bus d'un Ngalé ont tué des gens à Douala? Vous vous rappelez, nous sommes en avril 2018, lorsqu'un bus d'un Ngalé Bibéye va se mettre à poursuivre les Ben Skinner. 5 morts. Il va les écraser. Le cerveau, le sang partout. Les bus de Sokature. C'est les bus de la sorcellerie. Des vieilleries qu'on prend comme ça et tout et tout. Après, on va dire que non, le bus avait perdu ses freins. 5 Ben Skinner morts sur le carreau. Le même Ngalé Bibéye, lui, quand il entend qu'un autre bus a tué quelqu'un, une seule personne, il suspend le bus, il suspend l'agence, il retire le permis de conduire au chauffeur. Voilà notre pays. Voilà une maman qui pleure donc, alors que ces gens ont de l'argent, ils préfèrent se contenter. La fondation Ngalé Bibéye, okay, le ministère, il y a les fondations. Elle est partie offrir un forage là-bas à Zeka et tout et tout. Ces gens qui sont morts, qu'est-ce qu'on avait dit? Que c'était la sorcellerie d'un Ngalé Bibéye. Et c'est la femme d'un Ngalé Bibéye qui est la première à aller raconter maintenant que sa domestique est une sorcière. C'est pour ça qu'elle a fait l'accident. Comment Madame Ngalé Bibéye sait que Marie-Jeanne Ongolais est sorcière? Comment elle le sait? Elle est sorcière et c'est elle qui est sur le lit. C'est elle qui meurt. Pourquoi est-ce que la fille de Madame Ngalé Bibéye, du couple Ngalé Bibéye, n'est pas morte? Pourquoi est-ce qu'elle s'en sort sans égratignure? Pourquoi leur chauffeur s'en sort sans égratignure? Et c'est la pauvre dame qui meurt. Pourquoi est-ce que leurs bus prennent le feu partout? Tue des gens. Et vous traitez les autres de sorciers. Alors que vous partez faire des rites, vous vous baladez avec des sorciers. Vous prenez la femme d'autrui, elle n'avait aucune mission. Vous partez la livrer quelque part. Elle-même, par chance, Dieu l'a sauvée. À la veille du 15 août. Vous voyez ça, le sacrifice? Je souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance à cette famille et surtout à cette maman. Bonne guérison et surtout à sa famille, ne la lâchez pas, ne l'abandonnez pas.